Yes! Woohoo! On ne va pas y aller par quatre chemins. Soul est un miracle. Joe, professeur de musique au lycée, mais aussi pianiste de jazz, rêve de gloire. Le jour où son rêve va enfin se réaliser, c'est aussi celui de sa mort. Mais son âme se rebelle et fait tout pour revenir sur Terre, histoire de saisir enfin sa chance. À l'image de Vice Versa, Pixar traite de l'invisible et de métaphysique sur un mode brillant et émouvant, sans oublier d'être moderne et engagé. Les personnages du film sont presque tous noirs, une première chez Pixar. Soul est donc un film important qui en plus tombe à point à l'heure où nos esprits tournent en rond dans cet interminable confinement. Un bol d'air, un objet de discussion aussi en famille, un film parfait dont on a pu parler avec son créateur, Pete Docter. Okay, let's start by the beginning. How did that happen? What was the starting point? Ooh. It was really born of two things. One was watching our kids grow up and realizing, wait a minute, the moment they were born, they already had a personality. We could already see who they were. How is that possible? Where did that come from? And then questioning, really, what is it that we're meant to be doing with our lives? I mean, there's so much that happens every day, and you kind of go, wait, is this, you know, I'm not going to be around forever. What is it that I can best use my time for? So those two things kind of channeled together to form this film. Through the years, through the movies, we notice that you guys are working on something very, very important by the time we live in, diversity. Yeah, that's been slow coming. And I think a lot of us, you know, for the right reasons, we ask filmmakers to talk about their own lives and what they see in the world. And I think a lot of us grew up in very kind of areas that don't have a lot of diversity. And so now as we're exposing ourselves more and more and the world is changing and, you know, finally we're seeing more of that in the films and the filmmakers as well. So I think in the years to come, you're going to see a lot more of that. And I think the films are all the richer for it. Here we are. Wait. Don't worry, you can't crush a soul here. That's what life on Earth is for. I don't want to say too much, but there is a lot of moving moments in the film. And the final one, it takes so much another meaning by the time we live in. I mean, do you feel that the time we live in kind of changed the perception of the film itself? I think so. I mean, it's funny is when we started out, obviously, we formulated the bones of this movie 4 or 5 years ago. And so we had no idea what was coming. But it does seem like in a time when you wake up and you're like, okay, another day of the same thing. Why am I waking up? What am I living for? Those are the kind of questions that we're positing in the film. And I think there's some really beautiful answers if you know where to look. C'était parti pour être le plus beau jour de ma vie. Pour la voix française de Joe, Pixar et Disney ont eu la bonne idée de faire appel à Omar Sy. Un Omar d'abord hésitant, mais pas longtemps. Écoute, on m'a proposé ce film-là. Alors, si tu veux, évidemment, tout de suite, tu te dis, OK, donc le personnage est noir, donc on me le propose. Après, j'ai vu le film. Et le film, il est incroyable. Il est incroyable dans ce que ça dit, dans ce que ça touche. Il est incroyable aussi dans son timing. Que ce film-là sorte aujourd'hui, enfin, à notre époque-là, avec tout ce qu'on a traversé cette année, c'est juste incroyable. Soul, c'est aussi sur la question de... C'est quoi réussir sa vie, en fait? C'est quoi réussir sa vie? C'est quoi le bonheur? Et quand dans le film, il y a chercher sa flamme, c'est quoi le truc qui compte? C'est quoi ta flamme? C'est quoi... On se pose la question. Et bien, aujourd'hui, en fait, en voyant le film, je me suis reposé la question. Et je vais te dire, DJ, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si j'ai trouvé ma flamme. T'en sais rien. Évidemment, je suis heureux, je suis épanoui, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? C'est compliqué d'y répondre à cette question-là. Mais et qu'est-ce qui compte aujourd'hui? C'est une question qu'il faut se poser, je crois, tous les jours. Wow, it's my life. Pour vous poser vous aussi toutes ces questions, pour rire, pour pleurer, bref, pour vous régaler, rendez-vous le 25 décembre sur Disney+, devant un merveilleux petit miracle, devant Soul. Is all this living really worth dying for?